Après un fin temps de déclaration, le ministre de la Justice à pays d'Haïti, qui c'est Madame Emily Prophète, Haïtien Femsem, qui c'est moun nan grand sud pays, je dis à moi-même, comme nan grand deyo, nan sud-est, qui sont nan trou en province, qui gan pile famille nan Jacmel, qui victime nan sa kap passe nan Matisan depuis 2 ans et quelques mois. Moi dis clairement, nous avons nécessité aujourd'hui et nous avons légitimité définitivement pour nous faire bagaille. Et je dis nous honnêtement, nous pas gagné ça nous relé autorité. Nous avons des gens qui occupent espace pouvoir l'État, qui ont bâti richesse. Mais c'est sous dos nous, avec l'argent taxe nous, sous sang nous. Je dis à encore une fois, moi-même comme un jeune garçon qui engage dans une bataille pour aider le pays nous, sauter dans sa que nous là, et bien, viens parler avec nous encore une fois. Parce que ça qui a passé dans le pays, moi, je vois que l'autorité, soi-disant démissionné, ils ont accepté, en pile dans leurs complices de ce qui a passé là, parce que ils ont choisi pour que les bandits départent à nous. Alors, décapiter nous complètement. Et puis, vous-même, vous avez bâti capital. Encore une fois, je me songe. Déclaration que l'ancien président Jovenel Moïse te fait. Quand il te dit, gagnez une autorité. Alors, il y a un gros baron dans le secteur privé des affaires là. Qui te relève le téléphone. Qui te dit le président Jovenel Moïse. Moi, je dis, vous prenez bateau pèlerin. Vous avez marché devant votre caille. Chaque grand politicien. Pour demander yo tête ensemble, je t'ai parlé, nous faisons pour nous capables de mettre stabilité politique dans le pays. Eh bien, autorité, alors gros baron ça dit président Jovenel Moïse, moi je cherche à mettre stabilité, président te répond oui. Parce que cette situation est là, c'est tête ensemble qui est lié, tout a essayé pour mettre tête ensemble, tout le monde qui est responsable dans le pays, faut qu'il mette tête ensemble pour qu'il regarde comment nous avons retiré le pays dans tout ce qu'il trouve là. Et mais gros baron dans le secteur privé ça, il n'y a pas de peur, pas de crainte. Il était dans le téléphone. Il dit président Jovenel Moïse, stabilité que vous prenez, ce n'est pas tout le temps bon pour nous. Stabilité politique qu'on a besoin, ce n'est pas tout le temps bon pour nous. Stabilité dans le pays qu'on a besoin, ce n'est pas tout le temps bon pour nous. Parce que nous-mêmes qui parlons là, nous nageons dans de l'eau troublée. Lui-même, il répète pour pas tel parle. Il dit président, pas maintenant, ma parole voilà. Je nage dans des eaux troublées. Ça veut dire qui ça? Dans la jour comme ça que chaque 15 haïtiens prend balle dans le pays d'Haïti, il fait plus l'argent parce que Kawa enragé, l'État n'a pas de contrôle, rien, et c'est lui qui contrôle la situation. Ça veut dire qui ça? Il a rentré bateau ZAM, bateau Bali. Et n'a pas connu, suite avec des déclarations de ce là auprès des Nations Unies. Côté qu'on grenne à acheter des armes États-Unis pour 600 dollars américains, la vie venir dans le pays pour 10 000 dollars américains. L'on a acheté 200 armes dans le pays États-Unis d'Amérique qui coûte 100 000 dollars américains. Combien il fait comme bénéfice? Il fait 1 900 000 dollars américains comme bénéfice sur 100 000 dollars américains que le met dehors. Parce que nous songez, les armes n'ont pas de douane, ils n'ont pas taxé. Ce n'est pas illégal que l'on a dans le pays. Ça veut dire que je dis à peu près ici, ça n'a pas vivre là, nous avons une équipe moun qui te met des situations ça pour être toujours président, et effectivement, yo tue président, et stabilité, l'affaire générer l'argent. Il a bâti capital yo sous nous comme peuple. Qui ça n'a pas fait? N'a pas croisé Bran ou bien n'a pas agi comme peuple? Nous prenons qui choy. Vite l'homme innocent, chef d'un crasé barrière, allié sûr de France LB, dans tant que nous connaissons 2019, 2020, 2021. Jusqu'à ce que vous assassiné le président, 6 pour 7 juillet 2021. Vite l'homme innocent, allié sûr de Nenel Kassi, SDP. Vite l'homme innocent, allié sûr de André Michel, SDP. Vite l'homme innocent, allié sûr de Majorie Michel, SDP. Vite l'homme innocent, allié sûr de Daniel Balthazar. Vite l'homme innocent, de, alors Daniel Balthazar toujours, SDP. Vite l'homme innocent, allié sûr de Rika Pierre. SDP, vite l'homme innocent, allié sûr de Evalier Beauplan, sénateur nord-ouest, à deux reprises. SDP, à l'époque, vite l'homme innocent, allié sûr de
Citoyen ça, il y aurait les chiens Ludor, SDP toujours à l'époque. Lava la salle pour y sentir. Vite l'homme innocent. Alias sur deux, Jean-Renel Senatus, alias Zokiki, ancien sénateur l'Ouest vicieux, volontaire moun nan tabac. Vite l'homme innocent. Alias sur deux, Yuri la tortue à l'époque, SDP toujours. Vite l'homme innocent. Alias sur deux, ancien député Manès Louis, volant gang sale, Lavalas. Vite l'homme innocent. Alias sur deux, groupe politique traditionnel et un paquet gang qui nan, ou état-major police à Zolda Haïti. Vite l'homme innocent. Membre fondateur, groupe terroriste, Fantôme 609. Peuple haïtien, moi-même, yon elle m'berto. Je suis petit paysan. Moi, je vois comment le monde vit dans notre pays. Moi, comment l'État traite le peuple. Et je suis capable même prendre un exemple. Sous-côté, nous, on a la bonne frontière. La République Dominicaine. Mes amis, pour c'est ça, on a prémettre ton peuple, monsieur. Et puis, on a mangé l'argent. On a gagoté l'argent. Alors, c'est comme ça, on a traité ton nation. C'est comme ça, on a traité Timon qui a 5 ans. Non, 5 ans, on a 10 ans. C'est comme ça, on a traité Timon qui a 10 ans. Non, 5 ans, on a 15 ans. Depuis qu'on y a pris un exemple, c'est vol, c'est assassinat, c'est drogue, c'est kidnapping. C'est exemple, ça n'a pas un peuple, monsieur. Eh bien, battre chien, étant mettre lui. Parce que quand on n'a pas toujours dit ça, je fais la tombe dans de l'eau. C'est pas j'aime juste ça le pourri. Tout ça n'a fait là, les gars rêvaient. Tout ça que n'a fait là, les gars rêvaient. Je t'ai pas entendu. Esaïe César, sur antenne radio télévision, éclair, dans Delma 91 là, lui fait une déclaration, lui jouerait, maman, on s'est de tout volant en bayou. Quel est mon qui dit, il faut qu'on passe ça, il faut qu'on passe pour le pays. Moi, elle dit en pile, pour me passer. Mais honnêtement, est-ce qu'elle n'a pas de raison? Parce que le pays a tout pour enrager là-dedans. De ou pas dans le volant, ou pas confortable. Depuis ou pas dans le kidnapping, non, ou pas confortable. De ou pas dans le gang, non, ou pas confortable. Ou a frustré. Ou comme enragé. Parole les aïeux dit en pile. Mais c'est créole qu'elle y est. Je t'entends, elle. Il fait mourir, comme sauter. Même dit non. C'est sur antenne radio télévision qu'elle dit. Pendant l'abdil là, il y a plus de 6 000 personnes qui regardent live sur YouTube. Parole la fort. Parole la fort. Parole la loup. Esaïe César, moi-même dis non. Est-ce qu'elle n'a pas raison? En plus, mon abdil beto, fait autant d'elle. Mais définitivement, n'a pas saisi, oui. Ah oui, monsieur, ok, n'a pas saisi. Parce que j'aime ce lagel là, son bagage grave. Son bagage extrêmement grave. Et moi, honnêtement, m'a dit qu'elle a raison. Parce que ça qui a passé dans le pays là, c'est mon cap mouri. C'est mon parole pour mon patadi. Esaïe César, n'a pas tendé ça avant que je rentre dans tout ça que je parle de nous là. Encore une fois, après m'fin tande, deuxième chef, en de CSPN, nous, moi dis nous définitivement, papa ici, si nous te fait 1986, est-ce que nous pas qu'à faire là? Nous sommes sur route pour Ouanda dans le pays. Et me senti Ouanda ça, il commence à annoncer dans la bouche Esaïe César. Hier, m'te ou Johnny Ferdinand, de Radio Télévision Caraïbe, te fou déclaration engagée. Pendant qu'elle t'a baillé des conseils avec peuple souverain. C'est comme ça où on a commencé. L'on a cherché qu'on ait l'histoire. Et bien, Esaïe César, comment c'est la radio télé éclair comme ça. Et pas moi-même, c'est Esaïe César. Esaïe César. Très bien.
Esaïe César. Tout le monde dans le pays a fou. Depuis qu'on va rentrer dans le vol, il a fou. Depuis qu'on va rentrer dans tout le monde, il a fou. Ce qu'on a besoin de stabilité, il a fou. Ce qu'on a besoin d'aller mieux, il a fou. De ne pas prendre responsabilité ou pour avoir une réponse proportionnelle avec ça qui est là comme situation. Parce que les dieux en pile, peuple haïtien, honnêtement, les dieux, l'État pas traité peuple comme ça. Et c'est qu'on y a me comprendre, effectivement, dimension, là qu'on est toujours président qui est au pouvoir, qui était élu démocratiquement à travers les élections. Et c'est qu'on y a me comprendre que Jovenel Moïse pas ta pas mourir dans mitan ravet sa yo, c'est pas tout yé yo. On comprend nan pile bagay. Ça qui a passé là, li compliqué. Vite l'homme parle. Li parle avec Zamil, France LB. Peut-être qui capable ancien Zamil. Vite l'homme parle. Li parle avec Zamil, peut-être ancien Zamil, Ariel Henry. Vite l'homme parle. Li parle avec Zamil, peut-être ancien Zamil, qui était dans SDP, Phantom 709, ensemble avec elle. Vite l'homme parle. Ou pas de chance pour tendre ça, vite l'homme dit. Pendant que moi, je vais commenter, nous allons analyser la déclaration que vite l'homme fait. Pas oublier, ou même captain de là, ou c'est haïtien, dans quel que soit pays côté fête là, de pour une connexion familiale avec le monde dans le pays d'Haïti, en bon c'est haïtien, nous sommes sûrs que ça va passer dans le pays d'Haïti, de pour elle, il va faire bien. Mes amis, hier, tout près l'académie police là, mettez un pour plan pour entrer gros gens. N'a que tout est neuf mounes dans l'entrée pour entrer gros gens sur le tabatien. Yon met du fait sous cadavre moun yo. Ça que fait l'équipe vite l'homme innocent, allié France LB, allié Nenel Kassi, allié Ariel Henry. Est-ce qu'un pays capable de fonctionner comme ça? Est-ce qu'un peuple capable de tolérer pour ça passer? Et puis, on croise les bras. Est-ce que nous sommes capables de vivre dans une condition pareille avec un groupe de monde qui, soi-disant, est l'autorité? Est-ce que tout Esaïe César n'a pas de raison de parler comme ça? Est-ce qu'on peut critiquer? Ce qu'a dit mal de lui? Qui ce qu'a dit? L'eau femme de Kouosmi, la petit frère, des magistrats qui ont été nous sept magistrats. Pendant 20 mois que vous trouvez Jovenel Moïse là, vous avez un petit frère multimillionnaire, côté jeune comme ça. Alors nous pensons que le kidnapping n'est pas de mettre. Nous pensons que le kidnapping n'est pas de mettre. C'est l'isotie de la personne qui détrompez-nous. Détrompez-nous. Parce que je dis, la vraie version commence à gagner. Et me dis-nous encore une fois, si nous ne prenons pas bonheur, pour nous faire des choses, pita capitrice. Émission ça jodi a m pa tellement parler. M pa fè nou vivre des bagailles extraordinaires pour nous capable ouais exactement ça que mettez nous là et qui ça fait que nous pas ka sorti là avec facilité. Parce que dans ça c'est lui qui permet tous ces des monde multimillionnaires. C'est lui qui permet petite Evalia Beauplan vivre bien dans New York. C'est lui qui permet petite Edmond Supis Bozil vivre bien aux États-Unis d'Amérique. C'est lui qui permet à petit Denis Michel vivre bien aux États-Unis d'Amérique. C'est lui qui permet à la famille Ariel Henry vivre bien dans le pays de la France. C'est lui qui permet à la famille la classe politique gagnant. Parce que petit tout, ni journaliste volant, ni tout assassin, tout coalition gagnant. C'est lui qui permet que petit vive bien à l'étranger. Mais il faut 12 millions, hein? Alors il faut 11 millions, ou bien nous-mêmes en tant qu'haïtiens, quand vivons dans le pays d'Haïti, il faut que nous corder. Il faut que nous presque péter. Et puis nous tolérer ça. Vite l'homme innocent. Te dit ça dans l'infobeto. Avant que me salue nous, m'a évité d'entendre ça. Écoutez bien, vite l'homme dit ça pour pays, tout le monde connaît que ou Sénégazam et ou te campé ensemble avec l'homme sans jour d'où Sénégazam ou Bajam joué, tout le monde connaît qu'on a un avou. Vite l'homme innocent. Ou ka peut-être Jean Payan, Jean Nation, Jean qui a fait nous dans les médias, dans les médias traditionnels de l'Haïti, s'il passe ça, dit le pas ça. Vite l'homme qui doit pas faire sans kidnapping.
Vite l'homme dit qu'il n'y a pas fait 200 kidnappings. Si vous groupe police qui a fait kidnapping, dis-moi tel kidnapping qui t'a fait, c'est où que t'es fait. Ou même vite l'homme, est-ce qu'on n'a pas fait kidnapping? Gato, c'est une raison qui fait m'dou, moun qui peur, pas qu'à camper sous moun. Évidemment. Quel que soit on est cap fonza qui pas qu'à assumer, c'est parce que le pas quoi dans tête li. Très bien. Ok? Très bien. Et moi te dis, avant que m'te parle avec lui, l'amour, la zone, la l'appli, nous te gon lien et me dire que nous te gon chita pour nous te créer un, ce qu'on appelle un forum de fantômes. Laisse-nous te chita avec des hauts gradés. Si t'es mieux placé au niveau du gouvernement actuel. Si t'es non. Moi, t'es dit, il y a un point de presse là. Très bien. Tout n'est qui fait partie des gouvernements ça, actuel ça là, tout n'est qui fait partie des équipes qui te fait sans couler, qui te fait mort pour te participer dans le gouvernement ça là. Pays, diaspora haïtienne, qui a souffert. Qui connaît que dans quel niveau y a des tout jeunes garçons dans le pays, qui connaît dans quel niveau que on va être dans le pays, et puis ces nègres ça n'est pas dans ces petites soirées là, y a comme si y a bail pour tout chariot après toute planification finie sur Marvel. Bail pays y a 5 grandes novités l'homme, fais ça pour nation, fais ça pour la République, fais ça pour tête ou fais ça pour petit ou fais ça pour famille. Bail pays y a 5 grandes. Nous chita avec ex sénateur Nenel Kassi. Nenel Kassi. Chita Ahmed Michel. André Michel. Nous chita avec directeur actuel là. C'est fait partie de membres. Qui est-ce que, on parle du directeur actuel, qui parti? Directeur de la police. Ça veut dire France LB. Ça veut dire France LB. France LB. Ok, ça fait toi. Tu fais partie de l'équipe. Ok. Nous chita avec le premier ministre avant que je t'écoute hier. Écoutez bien, ça veut dire quoi ça? Ariel, on va parler là? Tout le monde net ça au chita ensemble avec nous. Ariel, qui est-ce qui a accouché? C'est l'homme Jovenel qui a accouché la bien. Ok, reprenez non ça pour nation, Captain Do, parce que vite l'homme, on va parler la vérité. Notre premier ministre, notre représentant, le chef du CSPN. Ariel Henry. Et nous chita avec le ministre de la planification. Ça veut dire Rika Pierre. Rika Pierre. Très bien. Et nous fait diverses rencontres au niveau d'Elma 75. Dans qui base, dans qui local? Kaitenex, député. De qui député? Député Saint-Ville. Saint-Ril, député qui compte. Nous sommes député de Saint-Ril, nous sommes d'Ari. Très bien. C'était vite l'homme innocent. C'était vite l'homme innocent. C'est très intéressant pour que ces archives ça nous aller au bout. Parce que nous avons un pays qui complètement a disparu. Ah oui. Nous avons un pays qui complètement disparaît. Et c'est une planification pour pays arriver là. Moi va dire qui choy. Moi moins content saluer nous. Moins content ensemble avec nous comme d'habitude. M'a demandé nous faire effort qu'une capable pour que nous partager émission nous. Tout côté pour nous faciliter plus monde capable participer ensemble avec nous. Je suis content. Saluez-nous, pardon. Désolé. Bon, permettre nous d'entendre un extrait dans déclaration deuxième chef CSPN, ministre Justice AI, Madame Emily Prophète, qui était de parler dans le micro. Ivner dans le pays d'Haïti avec un peu d'intérêt dans ça. Et les justices, vous avez aimé aller au CAI pour capable? C'est pas avion. Mais vous passez pour passer Matissan. Pour payer parce que vous mettez un péage sur route là. Mais je ne pas payer. Je ne peux pas passer Matissan. Vous passez en flot policier. Non, je ne peux pas passer. Non, pas passer Martissan du tout. Mais c'est-à-dire son route normale. Et ben justement c'est ça m'a passé expliquer là Yvener, c'est-à-dire jodia nous perdu route ça. Nous pas perdu. Non, jodia il y a des territoires perdus. Ça c'est déclaration madame la ministre. Ministre justice pays non. Après 20 mois, il a assassiné le président pays Oulan, président pays Imna, qui est le président Jovenel Moïse. Écoutez bien, il y a l'autre encore.
Ça c'est côté parce que parole lui a parlé. Situation difficile, hein. Est difficile et compliqué. Mais de fait, faut que nous passions. Parce que qui s'est passé, c'est autorité nous. Entendez ça encore, non? Mais juste après le jour où haïtien, même j'avais nous qui vivent à l'extérieur du pays, qui frustré, qui peut se tourner dans le pays, qui connaît des autorités qui valent l'argent de taxe, non? Ok? Qui prend l'argent nous qui vivent dans le luxe, qui juste parle avec mini justice là. Mini justice après l'estomacé, et il va répondre, sauf qu'il attendait là. En tant que déclaration, compatriote là, comme auditeur, dans l'émission qui te relé, dans l'émission Yves Néolan, et puis, mini justice va répondre next. Entendez. Qui ça peut pas ici attendre de lui? Non, seulement à Nessa, plus d'une vingtaine de policiers tués, mini justice va en vain. Comme civil à regarder, nous tous nous deux, nous devons rentrer dans le pays, nous ne sommes pas capables. Et puis, les mêmes l'attendent pour rentrer à Montréal après le film ministre. Nous avons un ministre de la ville. Qui ça l'a géré là? Qui est fier en tant qu'intelligentsia intellectuelle pays? Moi, ça son honte. Nous avons critiqué Michel Martelly. Mon cher, nous avons fait bien. Merci. Merci en pile pour question. Et bon, m'dou, au départ, que je n'ai aucune intention à Montréal aller aucun côté. Et je pense qu'il faut diaspora calmer. C'est-à-dire, il y a un bon monde qui était tout côté à l'étranger. Je suis bien content pour eux, puisque pas grand-chose qui dit que monde doit vivre dans l'autre pays. Pas grand-chose qui dit que le monde doit vivre dans l'autre pays qui est bon pour eux. Et puis, il y aurait été côté, il y aurait été là. Et puis, il y a bord de l'ordre, il y a bord des commandes. Il y a dit, mais ça pour faire. Alors que, sous ouais, c'est comme ça pour le fait, ou juste entrer ou vin faire pour contre. C'est-à-dire, l'ordre dit, il y a 20 personnes qui mourent, 20 policiers qui mourent, c'est pas vrai. Pas 20 policiers qui mourent. Nous perdu des policiers, nous perdu 12 policiers, nous pas perdu 20 policiers. Ou pas même gagné info. Attendez, oui. Nous pas 20 policiers qui mourent, nous perdu madame ou menti. Ouais, madame ça, moi même honnête, m'a dit non, papa, ça y est là, non, mais sauf que ça m'a dit non, madame ça, sans autant pilou, est-ce que pas de petite? Est-ce que pas de petite pour petit ou abgado de la télévision? Vous même qui plus passé 20 policiers qui est assassiné. Hier, un policier, pendant la fête, pour assassiner. Dans Delma 18. Si nous t'avons comptabilisé là plus que 20 ans même, madame, ou c'est ministre de justice, soit-il là? Pourquoi vous foutre retirer quoi là? Vous foutre sans autre peine. Comme si, faut honnêtement, tenez bien, ou pas de compétence, ou pas de capacité pour le job là, ou pas de retirer quoi, c'est l'argent qui t'a raison. La foutre nous cancer tout, tout t'as la pété fiel nous. Et moi, regrette, fiel petit nous pas le pété tout, parce que dans l'argent sale là, l'argent sans peuple là, fiel petit nous pas le pété tout. N'a pas quoi nous prendre tête nous, ou bien nous prendre nous fond tête nous. Parce que ça, tenez bien, c'est pas inacceptable. C'est pas logique, peuple haïtien. Là, c'est ça, yo gagné. Comme soi-disant autorité. Et puis c'est Jovenel Moïse qui va de bon. C'est Jovenel Moïse qui est criminel. Tout t'a critiqué. La vête ça a été derrière le téléphone. Yo. Il a tweeté. Jovenel Moïse, pour un poste intellectuel, yo. Intellectuel salope ça. Yo. Yo pour ce bon moun yo ye. Jovenel Moïse était plus mauvais bête. C'était bourreau. Il faut tuer bourreau. Mais je dis, mais bon petit mouton yo est là. Mais ça mouton après maintenant. Mais ça mouton yo après maintenant. Après 20 mois, on finit chez bourreau. Parce que Jovenel Moïse, il était dur que son bourreau. C'est lui qui était volé, c'est lui qui était kidnappé, c'est lui qui était symbolisé insécurité. Automatiquement, il parle tout le bagage à résoudre. Mais yo, mais ça montre yo, nous, peuple haïtien. Si m'a voyé Jovenel aller, n'a pas mourir, peuple haïtien assume la responsabilité. Mais yo, tout le Jovenel Moïse pour vous. Il était dur si m'a voyé Jovenel Moïse aller, n'a pas mourir. Mais je dis à qui est-ce comme peuple? Pourquoi pas la faire peuple attendre ça? Et si m'a voyé Jovenel aller n'a pas mourir si m'a voyé Jovenel aller en fin de ministre intellectuel salope ça parce que c'est très intéressant pour pays attendez honnêtement désolé peuple haïtien désolé parce qu'il faut qu'on mette costume une sale là sous même j'avais parce que c'est des monde sale que vous voyez et mettez une équipe sale qui comporte yo qui a broté l'argent pays pas bout de sac OK parce que attendez bien zami poser une question qui simple qui doit être très simple ou fin organiser là. Ou a fin préparé au confin ministre ou pral monter Montréal. Eh, Canadien, oui. Eh, pas haïtien. Est-ce que vous comprenez? En attendez ça, attendez la vette là. En attendez des amis qui posent des questions. Son haïtien qui est dans la diaspora qui est frustré.
qui a exprimé frustration, mais qui tout profite pas 10 ministres. Attendez ça encore une fois. Madame Evelyne, mes amis, nous saluons. Nous saluons notre nous saluons notre tournoi général, capitaine nous là, Jacques Michel. Mede, comment nous y est? Qui ça peut pas ici attendre de lui? Non, seulement année ça, plus d'une vingtaine de policiers tués, mais les justices ne sont pas en comme civil a gardé, nous tous nous deux, nous besoin rentrer dans le pays, nous pas capables. Et puis les mêmes l'attendent pour rentrer à Montréal après le film ministre. Nous avons un ministre dit, qui ça l'a géré là? Qui est fierté en tant qu'intelligentsia intellectuel pays? Moi, ça son honte. Nous avons critiqué Michel Martelly. Mon cher, nous pas fait plus bien. Merci. Merci en pile pour question. Et bon, m'dou au départ que m'a aucune intention à Montréal aller aucun côté. Et m'pense faut diaspora calmer. C'est-à-dire qu'on bon monde qui rete tout côté à l'étranger, moi bien content pour yo, puisque pas grand rien que dit monde doit vivre dans pays yo, pas grand rien que dit que monde pas doit aller vivre dans l'autre pays qui pi bon pour ou. Et puis yo rete côté, yo rete ya, et puis y a bordé l'ordre, y a bordé commande, yo dit mais ça pour fait. Alors, qui que sous ouais, c'est comme ça pour te fait ou juste entrer ou vin faire pour contre. C'est-à-dire l'ordre dit il y a 20 monde qui mourir, 20 policiers qui mourir, c'est pas vrai. Pas gain 20 policiers qui mourir. Nous perdu des policiers, nous perdu 12 policiers, nous pas perdu 20 policiers. Ou pas même gain information, c'est juste pour le plaisir de parler ou reler. C'est-à-dire nous pas dépassés par les événements, nous comprenons tout ça qui a passé, nous prenons des dispositions et nous chaque jour nous prenons des décisions pour nous adapter à la situation hein, et pour nous joindre des solutions à crise multiforme qui gagne en Haïti aujourd'hui. C'est-à-dire l'autre bois ou pas qu'à bailler le son à monde qui ici cap travail. C'est-à-dire, m'n'a chaleur, m'pas prendre le son ni dans mon, ni dans mes personnes moun. Autrement, quitter côté, quitter confort, entrer, vin fèl pou kontou, parce que m'barre ta vo. Voilà. Ça, c'est déclaration mini-justice. Zami, est-ce qu'on t'a de ça qu'elle répond nous? Et Zami, t'es dans l'émission Yves là. Si li. Si ou ta go moun kap tande émission sa ki proche li, di le rele nan 561-542-9547. 561-542-9547 pou gen plus possibilité pou l'exprimer. Pou pays attendre l sou plateforme Maman Pemba, plateforme Payepotea, kote la gen chance pou le parler tout ça que le vle pou l'exprimer toute frustration. M'a dit avec la diaspora haïtienne, nous avons possibilité pas nous avons plateforme pas nous pour nous parler. Nous avons exprimé pour nous dire ça que nous voulons, ça que nous sentons, ça qui a traversé nous. Parce que c'est difficile. Ah oui, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. C'était ça. C'était ça exactement. En autant de chansons qui sont dans la rue, le bouillotte voyait Jovenel Moïse aller. Tandis que ça peut pas chanter. Voilà, si nous avons vu Jovenel aller, nous avons vu que nous avons nos images là. Et nous avons images là. Si nous avons vu Jovenel aller, nous avons vu que nous avons vu le iso là, nous avons mis des gens dans la rue. Le nel kasi tap mette moun nan la oui. Le ekip Dimitri Vop tap paye l'argent pour mettre moun nan la oui. Le SDP en général t'en vogue. Mais ça ou te ba ou comme peuple. Nous pouvons regarder ça. Et de façon à faire nous regarder les tablettes là. Et puis next émission, nous pouvons le temps de là. Ok, si nous pas voyons Jovenel aller, nous allons mourir. Nous allons mourir. Mais peuple, une gigantesque manifestation, une foule immense,
Est-ce que vous comprenez? Prenez la rue pour vous japper Jovenel. Je dis à côté peuple ça. Est-ce que c'est des zombies ou t'es? Est-ce que c'est pas de monde pour tout bon ou t'es? Mais ça, le fin tout est Jovenel, côté peuple ça. Moi, tout le monde avec un petit paquet, a quitté Delma 2, Delma 6, Delma 18, Delma 4, Delma 5, a quitté Riel Maya, a quitté, comment elle est, Delma 6, a quitté Bel Air, a quitté Solino, tout le monde avec un petit paquet, a couru monter Delma. Ça ne va pas faire Delma. C'est une manifestation qu'on a fait Delma. Bouler Delma, craser Delma et puis vivre dans le. Je dis à côté de peuple, si tu es là, il va prendre la rue encore. Les gens venaient là, nous pas, nous, comme si nous ne vivons pas normal. Ils ne disent pas que nous vivons en paix. Mais nous connaissons pas, ils se sentent en pile. Bon, il faut que tu partes dans la diaspora. Tu es une équipe avec dans la diaspora. Une équipe réunion qui te prend plaisir à japper toute la journée. C'est Jovenel Moïse qui pique au monstre dans le pays. Son dictateur. Yo oui, yo devons associer toute la sainte journée. Abjapé, Jovenel Moïse sont criminels, sont assassins. Côté moun sa yo compte devant, n'associer n'a fait gros manifestation aux États-Unis d'Amérique. Côté haïtien qu'on a pris la rue, fait gros manifestation contre Jovenel Moïse dans la diaspora. Pays en forme là maintenant. Là nous finissons voir pile zam nous dans le pays. N'a pas acheté ça à $500 américains, n'a pas foutu vendre $10,000 américains dans le pays, nous pourri pays, parce que t'as pas le contrôle qui t'a pété sur nous, il t'a marré nous. Nous te rejouons de moi, il faut que nous détruisons, et on touille pour nous ouvrir. Il t'abuse, il t'a marché, nous faisons même bouche nous. Bon, j'ai pour aller à la salle. On équipe activiste politique côté yo. Quand bon activiste ça yo, activiste politique pourri, calma on a diaspora, qui a pris des âmes pour $500, qui a vendu $10,000 américains dans le pays d'Haïti, côté nous. Si nous avons voyé Jovenel, oui, Jovenel c'est dictateur. Il n'y a pas la vie. Tout côté. Il y a dans les Nations Unies. Il y a dans le Congrès américain. Il y a tout côté. Il y a des délégations de tout côté. Parce que il y a un pile d'argent. Il y a une organisation de Washington qui a fait lobby pour lui. Un pile million de dépenses. Pour dépatcher Jovenel Moïse. Faire devenir bourreau. Bourreau numéro 1 dans le pays d'Haïti. Jovenel Moïse était plus dictateur que tout ça qui est passé dans ce pays. Ça. Moi, je dis un bagay qui est très fort. Et j'espère que nous tous captons de là. Prends ça pour moi. Tenez bien. Il te parle de François Duval était dictateur. Il te dit Jean-Claude Duval était dictateur. Je dis qui est ce dictateur. C'est Neg Sayo qui prend contrôle politique pays. Sorti 1986 à date nous y là. C'est yo dictateur, attendez. C'est yo même qui dictateur, yo fait son l'autre forme. Yo criminel à l'extrême ou qu'on est. Yo méchant en pile. Yo méchant en pile. Et yo commencé ça longtemps. Evans Paul, Ravet Tilili, Timona, ou pas qu'être Ravet encore. Oui, régime Baby Doc, Papa Doc là d'après l'histoire. T'es un pile des autres qui te baillent, nous condamner ça. Mais effectivement, est-ce qu'avec comportement criminel ça yo, moi là si on t'a affiché li, pour un président t'a dirigé le peuple, pour ta stabilité dans le pays, est-ce qu'on pas t'obligé qu'un comportement ça? On pas pour Jean-Claude Duvalier, on pas connait, on pas qui fait tout le temps yo. OK? Ça veut dire qu'il m'a dit une bagarre bien. Lorsqu'on est nèg même quand t'a condamné Michel, même Jean-Sénateur Richet te dit là. Ou doit un président qui pour voyer au commando à prendre Michel et puis prendre mettre son poteau sous chat masse là chercher 5 soldats avec fusil à la main avec chargeur rempli et puis pour y déposer bagage son de Michel dans poteau là. C'est très intéressant parce que ça yo faut gagner la peine de mort pour des criminels qui ont tué des milliers de personnes dans le pays. Le a tué mon en toute impunité. Et bien justement, pas jamais garder stabilité. Est-ce que nous là le a fait crime en toute impunité. Et bien justement, pas jamais kage stabilité dans le pays. Le la justice est qui contrôle. Et bien justement, pas jamais kage stabilité dans le pays. Lorsque ça même distinct, en 5 ans de la présidence, je dis à la son influence dans la déstabilisation, dans la division, qui a mis dans l'appareil judiciaire, ou pas jamais kage stabilité dans le pays. Parce que non seulement, l'avocat original Boulos qui est entouré président, l'avocat original Boulos qui vole 2,9 milliards de gouttes dans l'ONA, les avocats ont pas qu'être volants qui ont tout le monde dans le pays. En même temps, les gens ont droits humains. Droits humains qui ça?
ça même a dit c'est petit voleur pas sérieux. On ne peut plus. C'est eux qui parlent fort. Ou autant de c'est eux qui gros avocat. Voleur pas sérieux pas gagné. Son association malfaiteur, son groupe gang, groupe terroriste qu'on gagne dans pays là. Et m'a dit non. Faut que peuple a fond bagarre avec eux. Faut que peuple a posé aux questions. C'est intéressant pour que peuple a questionné monsieur dame ça yo. Faut que des décisions drastiques qui prend contre ces des monde qui pas agir sans cœur. Les yo méchant en pile. Yo pas vle ouen comme peuple. Yo pas vle ouen comme peuple. Sont des criminels Alex, un criminel notoire. Écoutez. Toujours dans dossier qui domine l'actualité. Encore une fois, un pile d'amis après les nous. Ah, nous avons des amis militaires. On est dans la médaille d'Haïti, je salue. Pour courage, je salue nous, messieurs. Et m'a dit, nous, Kébéla, pas la guerre. Et honnêtement, nous pas pour compte. Nous pas pour compte. Non. Et ben moi là maintenant. Et voilà. Ben moi, si c'est pas ta. Et parce que faut que nous tournions sous déclaration que Ariel te fait bon côté, effectivement, la médaille. Ben nous, ouais, si c'est pas ça. Ok, en tant de déclaration, yon général dans la médaille. Kapre pon, question, journaliste Pierre-Winel Winé, dans Grand Boulevard. Et puis tout de suite, nous prenons le temps de déclaration Ariel Henry fait, et nous prenons le fait, nous tendez déclaration jeune garçon. Qui n'a micro, qui assume responsabilité de Jodia, qui décide de dire bagala, exactement j'ai informé toi, Abdilla. Et me dit bravo pour lui, t'as la nouvelle découvrir. Entendez ça. Pas quoi, vous faites appel à vous, ben non, si vous faites appel à vous, c'est à vous autres, parce que t'as pas sur le terrain. Donc, malgré tout, d'après ça, me connaît, il y a des opérations combinées que vous faites avec la PNH. Mais maintenant, l'armée a pas de matériel. Et ce n'est un secret pour personne. L'armée a commandé des armes. Les armes ont entré ici, qu'on basse à Tikampé, dit pas question pour bas la mer, il oublie bas la police, non. Et moi, plus loin, gros officier, yo, dis-moi, qui diplômé de West Point, je suis entré, vous entrez dans la mer, l'ambassade Kapé dit, non, ouais, c'est dans la police, ça, vous fait, je suis entré. Donc, nous connaissons des gens qui parlent, gros pays, qui parlent, la médaille existe, d'ailleurs, c'est qui crase. Même tout le monde dit, pour le monde, ça, c'est pas président, c'est qui crase la médaille. La médaille, commence pas craser tête, il bat tout, c'est cette dérive qui te gagne, nous pas besoin de venir sous ça. Mais maintenant, blanc crase la mer, maintenant, ce qu'on t'a reproché à président Aristide, Aïssid, président Aïssid, trop content, blanc, t'es mandé écraser la mer, comme il était gagné pour le bail, pour t'aider avec la mer, il tout profitait. Mais si le président Aïssid tenait à l'armée d'Haïti, il t'a dit blanc, non, nous pas écraser la mer, n'a pas nettoyé, retiré le vacabon qui l'a donné, et puis pour nous faire une nouvelle armée. Donc, jusqu'à présent, ce problème, c'est l'armée d'Haïti gagné. Par contre, il y a les pays de l'Amérique du Sud, le Brésil, le Chili, le Mexique, où ouais, ben, on bouge d'études, ils sont prêts pour supporter nous. Mais l'armée n'a pas d'équipement ni de matériel jusqu'à présent. Pas bien longtemps, et Major Bastien, l'armée a été très décriée au point que nous avons arrivé à démobilisation en 1994. Mais à la faveur de dégradation et situation sécuritaire, là, nous, opinion, yo évolué par rapport à l'armée, et c'est pas émotion puisque, le jeune qui a dit si l'armée était là, si l'armée est t'es effectif, l'armée t'es capable pour ton coup de main, mais c'est peut-être parce que par contre qui ça l'armée a été représentée avant de t'écraser. Bon, effectivement, ça a été la plus grande erreur, la plus grande bêtise humaine commise par nos dirigeants de l'époque en 94, leur demander l'armée, pas de caser l'armée, parce que devant l'armée qui fait bêtise, qui commet bavure. D'ailleurs, comme pour répéter le professeur Girago, il n'y a pas d'armée 7, ça peut exister, toute l'armée qui commet des bavures, des bévues, etc. Mais par rapport à ça, l'armée chilienne fait. Lors du coup d'état du général Pinochet 73, mon cher, nous c'est nous et devant, mais l'armée chilienne là. L'armée bolivienne, nous disons dans nos émissions sous Caraïbes. C'est l'armée qui fait le plus de coup d'état militaire au monde. Mais l'armée bolivienne là, je dis à soi en Bolivie, ou après l'armée dans toute forêt, à planter pied, ou après fouiller puis à tésier pour population, tout et tout l'armée là. Ou pas de craser, toutes les institutions sont bonnes, ce sont les hommes qui font les institutions. Toutes les institutions sont vacables, les gens de bien. L'église n'est pas vacable là-dedans. Pour peut-être des scandales prêtres, monseigneur, impliqué. Mais on pas casser l'église. La justice. L'on prend la justice haïtienne. Pour ça, juge des autres dans le scandale qui fait. Mais la justice existe. Donc, on ne devait pas démanteler l'armée en 94. C'est ça, n'a pas payé là. Si l'armée existe, mes amis. Des bandits, ça, on a fait la loi. Maintenant, vous va t'appuyer, on voit de la réalité.
Donc c'est aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a tout le monde, et même des gens qui étaient plus hostiles à l'armée, des antimilitaristes notoires, mon cher Soutan dit, monsieur, ça, on a radio qu'on a, mon cher, ça fait plaisir. Après, il dit, oui, que nous avons besoin de l'armée, et nous avons besoin de l'armée, vraiment. Or, il y a des gens qui sont là, blanc, il n'est pas fini. Donc, mon cher, c'est nous pour marrer, c'est pour dégager, nous pour nous résoudre le problème. Non? Bon, embryon et l'armée, et international, là, lui-même, il. Pas soutenu démarche là et alors que gain besoin pour qu'on ta gain l'armée effectif dans situation comme ça qui à venir ça nous gain là et comme l'armée a bon mon cher faut l'armée faut gain support du gouvernement ce que me supposer que le gain il gain déjà le support là puis de la nation parce que tout le monde a demandé pour l'armée pour nous pour l'armée qu'on y a là donc je me souhaitais que on a peut à faire effort chercher matériel pour passer par des marchés parallèles parce que c'est pour seul pays qui vend des armes ni des armes nous qu'à passer par des marchés parallèles et par contre tout dernièrement on était dans un scandale où on a fait de comment Galilée était commandé mais si tu as passé par les voies tu as fait le circuit normal Galilée était en Haïti toute occasion ouvrée on a passé par même circuit ça pour vendre des armes dans l'autre pays donc un pays comme Israël par exemple on a un grand producteur d'armes et encore de matériel de qualité. Nous ne passons pas Israël. Donc, inévitablement, il faut avoir du matériel. Parce que vous n'avez pas qu'à gommer avec. Pour volume, ça, monsieur, ça, vous n'avez pas qu'à parler avec. On est qui ont. On s'appelle-t-il encore. Le physical, il n'a même. Vous n'avez pas qu'à parler avec un petit pistolet de 9 mm devant. Il faut avoir du matériel pour bataille. Et pour remporter une victoire, il faut avoir une supériorité de feu sur l'ennemi. C'est ça, vous ne pouvez pas prendre l'académie militaire. Ça qui est écrit comme document sur force ça, c'est une force qui t'a dû orienter vers le développement en réalité à exiger à ce qu'on l'armée qui équipée, qui capable de faire face et aider la police là dans la situation où il est là, ou même dans la compréhension qui l'armée je dis à pour Haïti. Bon, nous besoin l'armée je dis armée de développement. Sur l'armée qu'on a là. Où t'as bien mon cher, t'as occupé l'entretien des routes, et monté dans tout le monde, nous dévasté, a planté pieds bois, etc., et des populations. Maintenant, qu'on situation qui dépassait la police, et c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution, l'exécutif fait appel à l'armée pour venir résoudre le problème. Donc, dans la situation, ça nous est là, si nous avons bon l'armée là, mon cher, t'as pas été résoudre le problème, et puis retourner dans la caserne, il a occupé de l'autre tâche, après quitter la police pour faire sécurité de oui. Ça, ça joue, il y a le monde qui qu'on a dit là, mais pour banane. Comme s'il a parlé de ça, nous, là. Bon, PRS, le monde dit ça au choqué, moi, parce que tout le monde compte l'amour que je gagne pour l'armée, je ne vais pas décrire une institution comme ça. Je ne suis pas d'accord du tout, tout le monde qui a dit l'armée pour banane. Nous, bon, l'armée, j'en dis, parce que c'est son armée embryonnaire, parce qu'il fait 22 ans pas exister. Donc, maintenant, il nous faut un peu de volonté, et suite la part du gouvernement, pour remettre bon l'armée sur pied. Merci beaucoup, Major Patrick Bastien, avec vous, nous t'as parlé. Voilà, qu'on y a notre des citoyens, ça. Ariel Henry, non. Michel Lapin. T'as l'heure, papa Haïtien, t'as l'heure, désolé. Voilà, nous pouvons aller, parce qu'il est important pour nous t'attendre. Et Ariel Henry. On pose les différentes unités. À nos officiers, à nos sous-officiers et à nos soldats, il y a 7 ans. Prêt à écouter votre important message. Ariel Henry, nous allons tenter. C'est ça, même temps. Pour signifier à nos officiers, à nos sous-officiers et à nos soldats, qu'en ces temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro un pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. À l'origine d'Haïti, il y a eu l'armée.
anciens esclaves en avance sur l'histoire, précurseurs et défenseurs des droits humains, dans un monde où la loi et assurer la sécurité publique en général, c'est travailler la police avec la justice. Travail ça, la police a fait yo chaque jour, malgré moyens limités. Si la police n'a pas multiplié opération contre gang, la situation n'a pas fini net. La situation dépassée niveau sécurité publique pour le tourner un problème sécurité nationale, nous devons admettre la police administrative et la police judiciaire pas formée pour faire face à problème sécurité nationale. Unité spécialisée qui dans la police là pas suffit pour répondre à la situation qui a développé dans le pays. Ça n'a plus journée aujourd'hui, c'est parti des affaires. Ça n'a plus journée aujourd'hui, c'est plusieurs groupes bandits. Qui ont toute qualité de gros âmes, fond de foi. Et qui déclarent le peuple haïtien la guerre. Là, ce n'est pas un problème de sécurité publique. C'est un problème de sécurité nationale. Si tant coup l'autre bord de l'eau. Permettez-moi de remercier publiquement tous les paysans mineurs qui vont instructeur par une bonne information sous place ou qui recevront plusieurs centaines d'amis dans la base de la CAIO pour entraîner. Nous sommes fiers aujourd'hui pour nous voir quelques dans un bel uniforme aligné devant nous. C'est une bêtise. Que la situation, que la désespérance atteint un niveau tel que les filles et les fils du pays n'envisagent leur avenir qu'ailleurs. Il nous faut retourner aux fondamentaux, à ce qui a fait de nous le peuple que nous sommes. Et nous sommes devenus ce peuple, celle qui a créé notre pays. Il nous faut utiliser toutes nos ressources, réaffirmer que nous sommes farouchement attachés à nos libertés. Liberté de circuler, liberté de vaquer à nos occupations, liberté de vivre tout simplement. C'est pour cela, aujourd'hui, que je suis venu rendre visite aux forces armées d'Haïti pour signifier à nos officiers, à nos sous-officiers et à nos soldats. En ces temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro un pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. À l'origine d'Haïti, il y a eu l'armée. Anciens esclaves en avance sur l'histoire, précurseurs et défenseurs des droits humains, dans un monde où les terminaient le destin. Il y a eu, en 1804, cette victoire sur l'injustice que nous continuons de célébrer, que le monde retient, même si Haïti vit depuis un certain temps une succession de moments difficiles. Au commencement était l'armée d'Haïti. Une armée déterminée qui a mis fin à l'esclavage. Jodia, nous besoin tous force sécurité nous. Nous besoin détermination qui déhabitait l'armée indigène. Nous besoin mettre ensemble toute énergie. Énergie la police à toute unité spécialisée, énergie l'armée, à collaboration yon peuple haïtien uni.
pour nous mettre fin à actes criminels qui ont fait sous population. Abraham dit c'est assez. Faut que bagay ça fini. Moi, je viens de dire aujourd'hui, peuple haïtien, c'est pour nous compter sous force l'ONU. Moi, je viens de dire nous, le pays a besoin de nous toutes. Moi, je viens de dire nous, il fait noir depuis trop longtemps. Parole là, parle de tous côtés, dans tout département. Tout partout sur la terre, fâché avec l'histoire. C'est vrai, il est passé déjà comme expérience pour nous faire plus bien, pour nous faire tout ça qui est possible pour gagner un pays meilleur pour tout le monde. Les forces de l'ordre ont évité le pire ces derniers mois. Elles nous ont tant de fois épargné de grands périls. Nous ne les remercierons jamais assez pour ces nuits et ces journées passées à veiller sur nous, à faire en sorte que nous dormions tranquillement, à protéger nos vies et nos biens. Elles ont souvent enregistré des pertes dans leur rang, ce que nous déplorons et que nous condamnons. C'est au nom du peuple haïtien que le gouvernement vous dit aujourd'hui, on a continué à faire sacrifice pour nous joindre moyens, pour nous équiper toute force sécurité nous, puis bien. Bayo, ça y a besoin. Et mettez-vous dans la situation pour répondre le nous demander. Marchez pour m'en dire, frappez toute gang qui déclarait nous la guerre. L'union fait la force et nous à dire. C'est dans l'union de forces de sécurité que nous trouverons la force de combattre les gangs et d'éradiquer l'insécurité. C'est la condition sine qua non pour revenir à un fonctionnement normal de nos institutions, pour attirer de nouveaux investisseurs, pour créer de nouveaux emplois, bref, pour reconstruire. Reconstruire nos infrastructures et aussi pour attirer des touristes en grand nombre. Haïti Nouvelle-A, nous ne pourrons pas la bâtir avec des gangs qui sévissent partout. Ils doivent entendre raison ou nous leur ferons entendre raison malgré eux. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, nous venons aujourd'hui pour nous constater que nous parer pour nous mener une bataille ça, bataille contre l'insécurité. Nous venons joindre nous pour nous travailler la main dans la main à force policière dans la bataille contre l'insécurité. Officiers, sous-officiers, soldats, moi connais que nous parer, nous servir pays noir, pendant la prospérité, droit tout le monde. L'armée avec la police cristalliser l'espoir gros changement dans la question sécurité, qui c'est la première préoccupation que les haïtiens aujourd'hui. L'histoire passée, l'histoire récente nous disent que nous avons raison d'y croire. Nous devons compter sur nos propres forces d'abord. Quand nos partenaires et nos amis le pourront, ils nous viendront en support. Nous comptons encore sur eux. La tâche ne sera pas facile. Mais grâce à votre courage, votre engagement, votre détermination, la victoire sera au rendez-vous. Nous comptons sur la police. Nous comptons sur l'armée.
nous compter sur le support du peuple haïtien. Que Dieu bénisse nos forces de sécurité et notre cher Haïti. Voilà. C'était représentant coalition d'assassins qui tue le président paysan, qui c'est le président Jovenel Moïse, Ariel Henry qui t'a parlé là. Mais Kounia, automatiquement Ariel fin fait appel ça, Kounia par le fait que nous ouais criminel y arrivé dans base navale la Médaïti, nous pas de problème, mais faut que nous parler avec militants nous yo, parce que nous avons des mouns qui te bataille pour que nous te mette yo là. Et bien nous avons Rose mon Jean, comme un gros combattant, un vrai combattant, qui te mène en lutte pour que lui-même avec le président Jovenel Moïse, alors pour le président Jovenel Moïse, pour le président Jovenel Moïse, support ça, pour nous être capable de river, mettre les militaires sous pied, 16 novembre 2017, ok? La Médaïti, 16 novembre 2017, pas j'ai oublié ça. Heureusement, j'ai un petit conseil ça avec la Médaïti. Encore une fois, on entend ça. Founod, qui est le Fonds national des organisations de résistance pour Haïti stable et démocratique, faire rencontre matin pour nous voyer un message de prudence by monsieur militaire l'armée d'Haïti par rapport avec intervention conseil maquillé traite qui relait monsieur Ariel Henry qui t'a suivi base monsieur base militaire dans Klessin. Moi dis bien m'a dit à pays et m'a dit avec monsieur militaire étant donné moi-même moi connais rôle combat bataille moi mené pour remobilisation l'armée d'Haïti. Nous te prenons un premier coup dans la mer. Nous-mêmes, nous prenons un coup dans la mer. Cependant, nous ne pouvons pas souhaiter pour nous prendre un deuxième coup dans la mer. Et c'est peut-être ce matin, nous voulons que l'armée, comme nous avons toujours dit, rentre, prenne responsabilité pour rétablir l'ordre, la sécurité dans le pays. Cependant, nous connaissons des gens pour ça faire. Premièrement, Ariel Henry, pas de jamais reconnaître pays à l'armée. Ariel Henry, c'était un traître qui travaille pour le Canada, la France, les États-Unis, te débarquer en Haïti pour te craser si l'armée gagne là. C'est peut-être ça où tu as demandé force intervention et c'est peut-être ça où tu as fait tout ça au capable pour assurer que les Blancs débarquent là. Ça veut dire. Laissez-nous regarder ensemble des émissions qu'a fait à travers la radio télévision. Laissez-nous entendre toute intervention qu'a fait pour demander sécurité dans le pays. Il y a une série de médias tout traditionnels qui ont ignoré totalement l'existence de l'armée ça. Nèg l'armée a été calé. Ancien l'armée a été calé dans volé banane, dans volé cabrit, dans volé patate, dans volé kasse kaimoun. Yo te traité l'armée Jovenel remobilisé de l'armée pour banane. Effectivement. Jodi a, l'armée pour banane nan presque tourné l'armée sauveur. Mais n'ap di yo en pile prudence. Pour qui ça? Premièrement, monsieur Ariel Henry pas de légitimité, pas de qualité, pas d'autorité légale pour la revendiquer, pour la demander l'armée pour engager nos batailles. Ariel Henry pas de qualité pour engager l'armée. Parce que Ariel Henry, son premier ministre, c'est vrai, son premier ministre de facto, moun qui te baye Ariel Henry légitimité, Ariel Henry te participé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Mandat Jovenel Moïse t'a fini 7 février 2022. Ça veut dire mandat légal Ariel Henry gagné pour engager le pays. Mandat ça fini depuis 7 février 2022. Yo cocoté un soi-disant accord 11 septembre. Là yo cocoté rapport soi-disant accord soi-disant 11 septembre non.
Dans l'accord, ça, ils ont été ignorés, ils n'ont pas connu l'existence institution ça qui est l'armée d'Haïti. Au contraire, ils ont engagé des mercenaires, des tchouls désespérés. Là, prend le temps pour André Michel, ou prend Nenel Kassi, ou prend Majorie Michel. C'est moun sa qui te formé, délégation qui t'a marché, monté, descendre, ambassade dominicaine, ambassade de France, pour aller demander ambassade Canada, pour aller encourager comment pour aller parler à gouvernement la CAIO, pour gouvernement la CAIO mandé pays pour engager une démarche pour permettre ta gain l'armée étrangère dans le pays. Maintenant, après déception, humiliation, colonie Angleterre, qui c'est le Canada, ancien colon, qui t'a maspiné ancêtres nous, qui était la France, patron qui voulait maintenir, qui voulait recoloniser, recoloniser Haïti, qui c'est les États-Unis, ils ont entendu ensemble, puis ils mettaient la police là à genoux. Et de fait, ils mettaient la police là à genoux, ils ont crassé la police là. Parce que Ariel Henry a parlé à un docteur par elle, il dit qu'il n'y a pas de confiance dans la police à craser. Et c'est peut-être ça, il faut que je joue une autre alternative pour sécuriser. Ariel Henry parle de sécurité, parle de backup dans la médaille pour sécuriser le pays. Mais là, il cherche pour voir de quelle mesure il est capable de faire confiance l'armée. Donc, en cas où ça l'a planifié à arriver, puis retourner pour ne pas couvrir la tête. Et c'est la raison ça qui fait matin. Nous-mêmes, nous avons dit à messieurs militaires, si M. Ariel Henry te vle, bah toute légitimité que ça gagne, c'est vrai, c'est même Ariel Henry qui mettait en place sa rele commission transition. Maintenant, si effectivement Ariel Henry mettait dans tête pays a une commission transition, c'est ta mission, la recommission transition qui t'a dû alchita maintenant avec l'armée, avec le ministre de Défense, qui en est dans le gouvernement Ariel Lasset, mais c'est recommission transition qui t'a gagné pour chita avec l'état-major l'armée pour comment vous prendre des décisions d'État, des mesures d'État pour rétablir la sécurité. Toute décision Ariel prend, c'est décision qui dépouille à gouvernement. Gouvernement là, pour agir, pour mettre sécurité, pour travailler avec la police, avec le ministère de la justice, pour permettre que la justice fonctionne. Mais, question décision d'État, c'est la recommission transition que tu dois prendre. Et l'elle prend, qu'on y a là, étape opposable à gouvernement et pour gouvernement t'a metté décision pour commission transition prend en œuvre en application. C'est pas le cas. Ça gien là son façon que monsieur Ariel a fait. Un, il pas bail monsieur militaire au moyen au façon pour le capable avilio pour dire nous te qu'on a demandé intégrer l'armée dans bataille, mettez l'armée ceci, mettez l'armée cela, et bien même aller chercher l'armée, même mettre l'armée, ni la police ni l'armée pas capable résultat, et bien je dis à qui ça nous voulait, et bien pour préparer, pour montrer l'opinion, pour préparer canage là, pour permettre communauté internationale là accepter faire intervention en Haïti. Ça veut dire je dis à nous-mêmes n'a dit à messieurs militaires, si monsieur Ariel Henry t'a engagé nous réellement vrai pour une porte aux solutions, c'est la commission de transition qui a venu chita avec nous. Un. Deuxièmement, il a déjà demandé. Tu as gagné 500 Galil, fusil d'assaut, que le président Jovenel Moïse a commandé pour l'armée. Que a été fait par la police, il a demandé est-ce que Jodia, est-ce que Ariel Henry Jodia remet l'armée à Zam, il a été saisi pour lui. Ça c'est une. Te gen Taiwan qui te baille la mea, yon ensemble de Egypte qui gen forme en mer, qui se machine militaire, qui a pourri dans la direction générale de la police, hein? Que yon te fait, Ariel Henry te fait remettre li baille la police. Est-ce que je dis Ariel Henry a demandé pour la police remettre la mea, machine sa yon qui permet de mener opération? Deuxièmement, est-ce que Ariel a pas accepté
Si l'armée a décidé pour arrêter ensemble des chefs de gang qui a alimenté ça qui est là, est-ce que Ariel Henry a accepté que l'armée a arrêté? Vous comprenez? Est-ce que Ariel a accepté que l'armée a, puisque c'est l'ordre qui a mis, a accepté que l'armée a arrêté tout le monde qui participait, qui impliquait de près, de loin, dans l'armée bandit? Parce que tu as comme dit, tout ça nous est fait là, que c'est Vite l'homme, que c'est Iso, que c'est Tilapli, que c'est Timakak, que c'est Jeff Canaran, tout monsieur ça yo gon connexion, gon rapport de travail ensemble. Et boss yo, li pa l'autre bagaille, c'est gouvernement boss yo. Parce que c'est le gouvernement qui a intérêt dans kembe instabilité politique là, pour yo capable de pénaliser sa ou les transitions, parce que vous connaissez en aucun cas yo pa ka gon élection. Et c'est peut-être ça matin, nous faisons conférence pour nous lancer une mise en garde. Ben, l'armée, n'a pas dit l'armée. Jovenel Moïse est commandant chef. Il a assassiné le commandant chef ou pas dit rien. Sous prétexte, l'armée pas dans la politique. C'est pas une question, l'armée dans la politique. Automatiquement, il a assassiné le commandant chef ou il engage automatiquement. Ça veut dire que le pays n'a pas de droit là. L'armée, depuis 8 juillet, l'armée était faite pour te prendre charge. Tant que j'aime toujours dire ça, tant que j'aime nous demander ça. Je dis à c'est un assassin, un présumé criminel qui débarque dans le bazou, qui a demandé, soi-disant, pour impliquer dans la sécurité pays. Tout le monde connaît le mode opératoire la police, le mode opératoire l'armée, pas même gens. Et c'est peut-être ça, nous te faisons pétition de te mettre dans la rue. Nous te demandons pays à fait pour gagner. Yon trio, yon commission qui pour diriger le pays. Les gens te parlé de nous faire pétition. Tout le monde te contre l'armée, te contre proposition que nous te fait. Parce que nous te dit pays a besoin. Dans la tête du gouvernement, il faut gagner yon trio, des militaires, yon civils qui pral faire sa roule, yon commission d'État pour rétablir sécurité, la paix dans le pays. Eh bien, yon te plutôt c'est assassin qui prend le pays. Yon te plutôt c'est criminel qui prend le pays. Eh bien, je dis, monsieur criminel, yon arrivé installer, instaurer sa yole, yon situation de terreur, et nous t'a souhaité que l'armée prenne toutes mesures nécessaires pour empêcher que li pas disparaître, yon pas affaiblir, yon pas craser, même gens yon arrivé détruire la police nationale. La. Même là où est la police là, li pas opérationnel, j'en le tas opérationnel là, parce que vous mettez un code dans le coul pour parler au-delà des missions que le gouvernement bali. Nous pas t'en aimer l'armée à rentrer dans ça, et c'est peut-être ça, nous dit, oui, nous voulons, pour que l'armée rentre dans l'opération pour mettre l'ordre dans le pays, mais l'armée a dû tenir compte que y a des décisions d'État pour prendre, et décisions d'État ça, il faut que débarrasser le pays de gouvernement criminel qui n'a pas de pays, parce que ce n'est pas moun ouè qui a des armes pour aller chercher, mais c'est moun qui a intérêt dans l'armée moun sa yo pour aller chercher, et le gouvernement ça joue un rôle prépondérant à travers le pays l'op, à travers un ensemble d'actions qui aboutit à ça nous matin comme résultat. Mande pour tout le monde, pays a, mande pour l'armée rentrer dans la bataille là, mais il faut que ce pays a qui mette l'armée en bataille, ce n'est pas un criminel ou un assassin qui engage le pays. Très bien. Effectivement, c'était Rosemond Jean qui t'a parlé et qui t'a porté conseil pour l'armée d'Haïti. C'est normal pour que me fasse entendre. Rosemond Jean, tout de suite, me fait nous finir entendre. Premier ministre de facto, premier ministre qui représente la coalition d'assassins qui fait tuer président PIA qui te mettait effectivement l'armée d'Haïti recampé sous pied lit et depuis le 16 novembre 2017. Peuple haïtien. Et dans le moment où on a parlé là, dans le moment où on a parlé là, effectivement, commissaire Jean-Ernest Muscadet est frappé. Commissaire Muscadet est frappé dans le département du PIA. Et bien justement, Gonti Bandi qui tombait là pendant que monsieur Tapsoti a cherché cartouche pour la monter en gang dans une barade. Et bien commissaire Muscadet croisé monsieur Bab pour Bab. Et bien ici, en autant de commissaire Muscadet, cap banou exactement comment opération te monté pour te démanteler gang ça. Commissaire a dit pas de gimbal. Ou comme ça, m'a pas demandé là. Est-ce que je suis capable de prendre responsabilité ça? Commissaire Muscadet n'a pas de machine. Il n'a pas de machine. Pour commissaire a une bonne machine solide, si son patrouille deuxième main,
la pnan plus passé 20 000 dollars américains selon l'information qui nous gagne. Est-ce que ma une possibilité pour me taper tes mains avec les trois amis pour commencer à m'escaler ta machine? Parce que ça, c'est minimum là. Nous pas le temps de ça, fait mal. Commissaire n'a pas de machine pour la même opération. Il n'a pas de cartouche, non? L'État n'a pas de lion, non? Qui est-ce que nous avons là, monsieur? Qui est-ce que nous avons là, nous capables de checker? Parce que, écoutez bien, il faut que nous fassions des bagailles. Est-ce que nous ne pouvons pas mettre main? Je ne peux pas parler avec Foucault 89 pour moi, si nous pouvons mettre main. Et Foucault, bon, franchement, je ne peux pas parler à Foucault direct. Je vais partager ce partage avec Foucault pour me connaître qui est amis qui nous capable de checker une plateforme YouTube et Foubeto, qui est amis que Foucault capable de checker dans la plateforme Taxi 69 pour nous au moins et de commissaire jusqu'à des jeunes machines normales, machines sérieuses. C'est grave. On seul vit pas trop le commissaire guerre, oui. Pour toute équipe, oui. Est-ce que nous capable de savoir c'est comme ça? Je prie le commissaire Miskane Bita. Je prie le pour que je ne fais rien. Sauf que, il faut que je joigne 3-4 amis. Je prie pour que je dise ce qu'il y a fait. Clairement, pour moi, je dis ce qu'il y a fait. Et puis, je en dire avec le commissaire Miskane pour lui-même pour nous faire ça qu'il y a fait. Intéressant. On entend le commissaire tout d'abord. Et non, je vais vous voir en l'air. Je vais vous voir son monté. Voilà. Ok, commissaire Miskane. C'est un petit oupi. Et pas que je suis parce que toi, ça n'a pas cherché, monsieur. Monsieur, c'est une bande de notre qui opère du côté de. Ça, c'est un petit oupi. Et pas que je suis parce que toi, ça n'a pas cherché, monsieur. Monsieur, c'est une bande de notre qui opère du côté de. Léogan, Maché Mango, qui opère Miragouane, comme je dis, monsieur, c'est Nègue Miragouane. Hier soir, monsieur débarrade avec Nègue. Matin, il rentre pour le presse. Là, il cherche des munitions pour renforcer Nègue. En sortant les pauvres, et puis nous finissons par stopper, monsieur. D'accord, que est-ce que vous monsieur même? Et nous croisons monsieur du côté de Carrefour des Rissots. Ok, nous croisons monsieur du côté de Carrefour des Rissots. Donc, nous avons cherché une munition pour nous, pour nous faire des choses qui nous faire. Est-ce que vous avez une munition? Toutes les munitions, les mêmes. Qui 556, je vais vous compter. Mais sauf qu'il y a bien été loin, parce que je ne vais pas gagner. Vous pas des armes sous les? Non, négatif. Pas d'une armes, monsieur. Mais sauf que, il y a un petit peu des armes sous les. Sauf que monsieur, c'est mon prend minutieux. Non, mon papa d'ap. Papa d'ap là, la game monsieur du côté de Tigouave. Monsieur progressé dans notre machine de Boulevin là. Depuis Tigouave, nous avons information sous les. Nous finissons pas progresser sous monsieur. Vous dites monsieur, c'est une mission pour gang qui est absent de opérer dans une zone barrage. Monsieur fait partie de ça? Oui, monsieur fait partie du gang là. Je fais partie de Gagnan, M. Bianegio, M. Tout. Hier soir, M. Tissi, il y en a qui ont été en train de me tirer. D'ailleurs, M. c'est Nek Biagouane, M. Tout Nek Biagouane contre M. Et hier soir, c'est pas deux dégâts, N'est-ce pas fait du côté de Baradeur. Moun courir, ils ont saisi machine, ils ont saisi motocyclette, ils ont pris l'argent, ils ont rançonné, ils ont fait. C'est pas deux dégâts, N'est-ce pas fait. Mais nous connaissons que Baradeur a un problème pour vous-même, là, si vous calmez, on va pas Baradeur. On peut vous ça. Sauf que nous, déjà, avons 7 Ibmo Kandéa déjà, et au CAI déjà là. Et du moment où on a des bacs en bas. D'ailleurs, nous avons des munitions. Actuellement, là, nous avons des munitions. Nous prêts. Environ combien de munitions nous avons? Et je ne vais pas compter. Je ne vais pas compter. Est-ce que c'est le cas dans 1000 ou bien dans 200, 300, 400? Bon, s'il va 1000, il passe que 1000. S'il va 1000, il passe que 1000. 756. Bon, il faut te couper, commissaire Miskane, tout petit, monsieur. Bon, alors, attendez bien. Enquêtez la prière pour une quantique. Vous connaissez, est-ce que le CPJ a capacité de bagayer pour identifier mon cap 24 juste en moment? Tenez bien, comme si j'ai une situation là, est-ce que la DCPJ, ses capacités pas gagner pour identifier les gens qui ont 24 touches dans le moment? Moi, je ne vais pas parler des âmes même. Les âmes sont bout de fait. C'est munitions, petites là. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous ne pouvons pas mettre en tête pour nous connaître les gens qui ont 24 touches dans le moment? Ou bien les âmes nous ont fait? Parce que les gens qui ont supposé prendre. Si je dis à l'aile pour moi, je boule le boule avec caoutchouc, les gens qui ont supposé connaître moi-même ça. Si je dis à l'aile pour moi, c'est. Comme si vous mettez nos machines, les fusils, les boulets, vous êtes supposé qu'on même soit. Et ceci, avec tout le monde qui est dans le territoire côté de l'IA. En tout cas, côté de la vivre là. Écoutez bien, qu'est-ce que vous faites? Parce que si madame, en tout cas, la volée à 20 balles, et puis le regretter là, la manger gros gras, pas de problème. Les ovines pas être dans le territoire ça, et supposé foutre son bricard là tout, avec tout sac là dans le tout. Parce que le marou, 20 ans, cartouche là, là, son bricard est monde.
des milliers de familles. En fin de temps, le commissaire Muscadet, c'est malheureux. Le commissaire Muscadet n'a pas de cartouche, il est presque à pied parce qu'il n'a pas de machine. Faut me parler avec deux trois amis, même si c'est nous pour d'arriver. 56, qu'est-ce que tu cherches pour le reste? Ok. Le commissaire, où tu observes avec eux? Pendant ce temps, il n'y a pas de critique qui est toujours dit pour vous faire arrêter Bandia ou non, ministre, non, mais vous pas de servir ensemble. Non, mais je ne vais pas je ne vais pas l'acheter. Il va faire un cadeau. L'État pas bon moi. C'est bon ami pour moi. C'est policier qui va mon 5 graines, qui va mon 10 graines. Ça, l'État pas bon munition? Bon, l'État peut-être pas d'après moi. Mais à qui gang vous faites? Next Ayo, ils sont un gang qui a coopéré du côté de Baradère. Ils sont certains épreuves. Mais ils sont 4 ou ça. Et ils sont aussi ça. Ils peuvent là nous connaître, ils ont été arrêtés. Ils peuvent l'être arrêté, sauf que le tribunal, première instance, là, t'es libéré. Si le tribunal l'a libéré, moi-même, le commissaire, moi-même, je vais faire. Parce que là, on va dire, la main levée du juge d'instruction n'est susceptible à aucun recours. Et c'est une question, ça n'a pas de problème, non? Je dis à là, et monsieur Abba, un petit boulot en bas, l'aime t'a arrêté, je dis de son commerçant, son entrepreneur, son homme d'affaires qui est lié, mais je dis à mettre la presse en bas. Et si on fait ça, à qui est-ce qu'on parle là-bas? C'est lui-même? C'est lui-même, c'est lui-même. Bon, monsieur Bougol. Ah, je ne sais pas. Il faut que vous ayez fait. Ce n'est pas bon pour dire qu'il faut que vous ayez fait. Il faut que vous ayez une chance. Vous ne pouvez pas faire parler, vous ne pouvez pas dire rien. Et ça, c'est une question d'inquiétude. Ça n'a pas trop important s'il ne parle pas. Sauf que nous avons accepté, monsieur, à sortir du côté du Port-au-Prince avec plus de ministres de la pour renforcer les gens. Je dis à la, monsieur finit par absent. Ok? Monsieur, nous connaissons la machine pas bon, mais est-ce qu'on peut balader avec la machine? La machine n'est pas bon, si la machine est bonne depuis hier soir, on peut balader. Si on a tout le monde immigration capable de là, tout à l'heure, c'est pousser, pousser. Pour que on soit capable de balader, parce que ça n'est pas bon. La machine est pour pousser? Bon, population témoin. Par contre, on va décourager avec ça. Nous ne pas décourager. Tout le monde qui est comme ce gouvernement, moi encore vivant et moi en solide, nous avons battu avec nous. Nous avons moyen pour nous caler avec nous. Il n'y a pas de joie pour la machine. Et bon, l'État jusqu'à présent, pourquoi je me disais. L'information dit qu'il y a 20 machines qui viennent pour le commissaire gouvernement. Ça arrive parce que 2 ans, même beaucoup de gens moyens. Mais sauf que est-ce qu'on parle avec le ministre de justice concernant des machines? Bon, d'après même ministre, peut-être pas, d'après les bagues machines, vous êtes pas. C'est des tas de machines. C'est qui ça la vie? Ni plan, l'après au cimetière pour eux. Il faut que tout le commissaire gouvernement, pour une responsabilité, pour faire grand sud là, tout nos cimetières pour nous. Sinon, là, tout nos cimetières pour nous. Il faut cimetière pour eux, pour le pas cimetière pour le pays, pour le pas cimetière pour la population. Pour ne pas payer. Non, nous ne pas payer. Nous ne pas payer, nous ne pas faire back. Merci. Merci. Là, madame, monsieur, c'est un citoyen, ou bien un individu qui a théorisé la population nipoise. Le commissaire gouvernement Miragwana, Jean-Ernest Muscadet, lui mettait monsieur à terre dans mon appareil. Là. Nous ne sommes pas capables de mettre trop de détails parce que l'image est vraiment terrible. Oui, monsieur citoyen, ça parle encore, moi c'est le même. Commissaire Muscadet, la différence contre ça, vous avez soit Lucifer ou le côté de l'histoire, nous ne connaissons pas. Sauf que, moi c'est monsieur, et c'est très important pour nous pour le parler encore. Ok? C'est très important pour le parler encore. Et encore une fois, la situation est là, elle est difficile. Commissaire Jean-Ernest Muscadet, qui a une volonté réelle, pour qu'il bah en bourrade avec situation de guerre, il va une machine, il va une munition, il va une cartouche pour le bataille avec bandit. Commissaire Jean-Ernest Muscadet, n'est qui ça pays là. Vous venez nous comprendre ça. OK? Et vous nous comprendre ça, commissaire Muscadet, pas de moyens en mail vraiment pour qualité de travail qu'il a fait. Alors bagala mon qui est volonté par moi à la disposition. Francel Bégué, toute qualité matérielle dans elle. Et bien, rien l'utile. Si c'est Muscadet qui a gagné tout ça, Francel Bégué, pas tap gagné Iso, pas tap gagné Tilapli, pas tap gagné Nel Kassi, pas tap gagné Michel, pas tap gagné Bougoy, pas tap gagné Kilik, pas tap gagné Chrisla, pas tap gagné Katsama Ozo, pas tap gagné Vitilom, pas tap gagné comment elle est, comme Gante Kouyouri la Totsi, pas tap gagné Volos Ayo, pas tap gagné yo. Il a pu tirer pour nous. Il a nettoyé le pays, il a débarrassé le pays de yo. Parce que ça yo pas été payé en rien. Il a fini avec un pays. Et il n'est pas possible. Il n'est vraiment pas possible pour que nous quittions ça, pour continuer comme ça. Voilà. N'a pas continué. Parce que ça, c'est le bagage tête chargé. N'a pas continué permettre
tendez et comprendre ça qui a passé dans le pays. Parce que la situation est vraiment compliquée. Et gens qui me disent non, depuis que je promets non, nous prenons le temps de ensemble avec moi et Johnny Ferdinand, ok? Sans filtre qui tape dit des bagailles avec population. Johnny Ferdinand, jeune garçon qui est dans le Grand Boulevard, entendez-le. Je dis à nous pas besoin de radoutin, nous pas besoin de parole, nous besoin d'action. Et peut-être c'est action nous pour parler pour nous dire est-ce que nous méritons pour tenir ou bien est-ce que nous devons battre Charles Barry. Non. Nous clair sur ça. Que le docteur Ariel Henry, premier ministre, que le ministre jusqu'à présent de la sécurité publique ou bien de la justice et de la sécurité publique, madame Emily Prophète, que le Ariel Henry encore ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, que le France LB, commandant en chef de la police nationale. Matrice Peuple, c'est waouh. Aïe. Mais... Ok, voilà. On allait là. On conseille. Et quel que soit le prix à payer, m'assumer qu'on s'est amené à là. Moun Dieg, Moun Malik, Moun Bois Moquette, Moun Girado, Moun Meyot, et plusieurs autres zones basse là. Je dis à c'est nous. Avant nous, quelques semaines avant là, c'était Delma 24, c'était Solino, c'était Nazon, c'était Christois. Avant, c'était Moun Kwa de Bouquet, Moun Matissan Kapkoui qui était. C'était Moun Tirivière, la Tibonite Kapkoui. C'était Moun Verrette Kapkoui. C'est Moun dans les hauteurs Kapkoui. Et bien moi-même, m'a dit nous, l'un Koui qui était là, quand nous dans l'autre zone, qui s'en constaté. Nous constaté que, à l'avenir, on a l'autre groupe armé qui vient faire nous courir encore. Nous ne pouvons pas passer vie, nous à courir dans le pays. Parce que le pays est pour nous. Les pour bandits. Mais comme il y a des gens qui sont là, qui pour mettre l'ordre dans le pays, et pour un réseau, mais pour un l'autre, il y a touché l'âge, il va mettre l'ordre, moi-même, ça m'a dit nous pour nous faire. Quel que soit le bureau de l'État qui fonctionnel, rentrer là-dedans dans le tableau de l'État général. Comme nous n'avons pas un côté pour nous aller, quel que soit le bureau de l'État qui a fonctionné, rentrer là-dedans. Parce que, demandez SOS ou bien fait cri de détresse. Nous est que nèg yo pas voum yo pas prêt. En 2021, si me pas trompé ou 2022 je crois, n'a précisé pour moi dans bataille chez méchant avec 400 marozo. C'est pas deux trois moun qui mouri. Oui. Gouvernement pas jamais font tweet. Yo boulé yo tout vivant. Yo la gueule moun dans tout. Dans bassin boulé yo, dans latrine, yo violé mesdames. Gouvernement pas font tweet. Moun mouri. Le gouvernement n'a pas jamais fait tout. Ça veut dire, ça n'a pas priorité, ça n'a pas gardé. Mais il a fonctionné. Mais on dit fait prendre un cas à l'étranger pour le ministre de Guetan. Presque pour mourir. Ou presque pour mourir. Trois cas morts. Parce que vous n'êtes pas au courant de ça ici. Eh bien, Moun Bois Moquette, Moun Girado, même si le ministre de Justice l'a dit nous, pour nous rester là, quand nous les attaquer, nous battre avec eux. Or, nous connaissons pas battre avec eux, courir dans le bureau, puis fonctionner. Par exemple, cherchez connaît côté résidence officielle pour le ministre Lanye. Dans 60 là, il y a un bel espace. On va aller là, al coucher dormir là. Parce que bandi a metté nous dehors côté, il y a un côté pour aller. Par exemple, ministère de la justice et de la sécurité publique Charles Soumer, al dormi dans la cour. On comprend? Par exemple, ministère de l'intérieur, un bel building là. Dans cité administrative là. Moun bel depuis n'a couru, aller là. On comprend, monter building dans dormi nous. On comprend, direction générale, la police la claircine, nous avons belle la cou, ancien base ministre. Oui. Depuis bon diable couille derrière nous, filer entre là. Des grands. Al coucher, dormi, prendre repos nous. Y'a biogaz. Non, on y a la mgalade, c'est ma police. Non, très sérieux, matin. Biogaz. À chercher qu'on est côté inspection générale, la police là est. Vous comprenez, depuis qu'il y a un problème, bandit a attaqué nous pas un côté pour nous aller, Timoun Soubra nous. Vous comprenez, pas crier, parler les renforts, parler les vignes de nous, parler les secours, ils ne pas venir. Pas de moment, ils ne pas venir. Rentrer dans le bureau de l'État, nous ne pas fonctionner. Rentrer dans le building, non. Rentrer là. Et qu'on y a là, on va pas avec les policiers qui ont sécurisé l'espace. Tant pris,
monsieur d'ambolisé yo quitter peuple à coucher quitter peuple à reposer quitter peuple à prendre abri vol parce que grand pile dans nous chers policiers c'est dans peuple à nous sorti d'où l'aime ce travail nous quitter espace côté n'a travail là dans la caille nous même la caille nous on pas ca rentrer ou konn pou ki ça on pas ca dit peuple à voir la caille moun za yo qui chef dans l'état c'est parce que même yo même là yo courir quitter la caille pour bandi et c'est pour me mettre investissement mon en jeu. Il fait m'abay quelques ministres dans qui hôtel yo dormi. On négocier les gros investissements privés que fait. Vous comprenez mon agent business, c'est pour me mettre en jeu. Mais si nom d'abord dit la République, mon série de ministres actuellement là dans qui hôtel y a dormi, oui. Il y a payé au frère de la princesse, l'état a payé frère. Qui quitte caillou pour être bandit, des mon y a payé pour mettre l'autre dans pays, oui. Qui courir quitte caillou pour être bandit. Des cailloux. France LB était habité la plaine. Il a quitté la plaine. La police a payé caille pour lui maintenant. La bien vive. Ariel Henry qui réside dans officiel premier ministre. La primature en bas sous chef de masse a abandonné complètement. Bah Iso, par exemple, yo. Il a gagné une autre résidence que l'État a payé pour lui. Zone Bavu Michel pour entrer Caradeux. Chaque monde dans le gouvernement, l'État paye une deuxième résidence pour lui. Et l'argent, c'est des coûts pour ne pas calculer. Il y a beauté l'argent par bout de sac. André Michel n'a ni poste, ni rien dans le pouvoir, et bien lui-même, il est riche dans le pouvoir. Ouzou n'a pas ni poste, il est chef section dans le pouvoir, il est riche dans le pouvoir. Il utilise la machine de l'État pour faire kidnapping, ZAM l'État pour faire kidnapping. Il prend ZAM machine de l'État pour occuper bandits. Ou bandi bay bandi kidnappé moun nan la rue pou yo. Chaque gen groupe gang yo. Groupe gang pa Rosemi la petit falan, c'est groupe gang Kempes la. Situation compliquée. Chaque gen haïtien doit assumer responsabilité. Vite l'homme te parle. La continue parle. Mais dans situation rive la, vite l'homme di kon kote le brale, li kon kote ke le brale ya. Mais moi, monsieur Malone en pile, au coup de la route, moi, ce peuple la va assassiner. Vite l'homme sou pas sans honte. Changez fils aux épaules. Suspend tout et malheureux, malheureuse. Suspend faire mon coup de la caillou. Allah ka al yo yo. Allah ka examen yo yo. Merci un peu, papa ici. Kede la.